Rafale de Bouchta, ramène tes potes et mon gars faudra possible. Libérer les refrais au star, c'est la seule méthode, j'sais pas si t'as capiche. A chaque plat faut mettre sa capuche, mélange de bombes et t'es prends ta bonne piche. Sa village, toi qui l'a caché sa puce, putain, 16 heures du mat, c'était la perquise. Dans la sacoche, la bouteille de frise, on était toujours dans la frise. T'as toujours couleur. Yo les potes, c'est Scholar. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, on va dire un nouveau menu. Alors c'est le Syntax, je crois, c'est le Syntax que je vais vous présenter. En fait c'est le même que le Raptor, sauf que le Raptor, il y a des gens, ils n'arrivaient pas du tout à l'installer. Du coup je vous présente celui-là, normalement celui-là, il y aurait plus de personnes qui arriveraient à l'installer. Mais je vais vous présenter quand même. Par contre je vous dis un truc, j'arrive plus trop à installer le menu, j'arrive vraiment plus. Imaginons que là je vais sur ma dernière vidéo, imaginons. Donc je vais sur ma dernière vidéo. Regardez ce que ça me fait avec les liens à Mediafire. Bon après vous allez dire ouais il y a les liens comme d'habitude que je fais, mais ça marche pas non plus. Genre à la fin ça met 505 erreurs sur le site. Regardez. Dès que je veux, voilà ça met ça. Et attends, en français je sais pas si ça me le met. Vous avez encore des questions? Ouais en gros ça... Mais par contre j'ai essayé par exemple, imaginons pour un pack PSD, genre un autre lien juste sur Mediafire. Et bah ça marche, c'est en fait ça détecte que c'est un menu. Et malheureusement ça marche pas. Bref, donc là je vous mets ce lien en description, pareil comme d'habitude hein. Si vous savez pas comment on fait, vous regardez les autres vidéos, je vais pas vous apprendre. Vous avez juste à ajouter l'extension, regardez les articles, vous faites la croix, vous attendez 11 secondes. Donc vous regardez la vidéo, elle dure 1 minute 19, une fois que vous l'avez regardée, vous faites continuer, je vous aurez un bouton continuer juste derrière ça. Et après, vous devrez attendre 15 secondes pour accéder au lien de Syntax et après vous aurez le fichier tout simplement. Et une fois que vous avez le fichier, il sera tout simplement, bah après il sera... Il y aura le truc comme d'habitude, vous faites installer, open, et là tout simplement vous aurez le dossier. De toute façon si vous savez pas comment on fait, vous regardez dans les prochaines vidéos, c'est très très simple. Et là, il est là, j'ai renommé une vidéo parce que je comptais faire une vidéo dessus. Et là le fichier DLL, il est ici tout simplement. Donc là, une fois qu'on est dans le jeu, voilà, une fois qu'on est bien en mode histoire ou mode en ligne, on s'en fout. Ça on va ici, là on va double cliquer, on va ouvrir Xelo64. Donc comme d'habitude, bah, c'est l'injecteur. Donc une fois que le fichier est ouvert, vous allez dans process, donc faut bien avoir GTA ouvert avant. Vous mettez gta.exe, voilà. Là vous glissez le fichier syntax DLL, en gros c'est mon menu, vous glissez ici, là vous faites inject. Et là dès que c'est marqué indel, simplement vous retournez dans GTA. Donc voilà, donc simplement pour l'ouvrir, vous faites F8. Et là c'est comme le... C'est juste le nom Boxer, mais sinon c'est carrément le même que le Raptor en fait. Vous pouvez regarder la vidéo, c'est le même, c'est juste qu'il y avait d'autres, ça marchait pas. Donc par exemple pour mettre de l'argent, bon là imaginons que je suis en mode en ligne, pareil, vous faites pareil, vous faites drop option, vous faites money drop, voilà, mais ça monte à fond. Donc c'est vraiment très rapide, vous pouvez faire drop des parachutes d'argent. Je crois que c'est de l'argent. Après on peut pas les ramasser mais... Voilà, je pourrais, par contre ce qui est avec ces menus c'est... Ah non, j'allais dire si on court ça reste mais... Voilà, regardez, si je cours, regardez en haut à droite, ça monte quand même. Ça monte juste moins, mais vous mettez comme ça et puis vous attendez. Après, vous aurez un message d'erreur. Voilà, je l'aurai pas parce que je suis en mode histoire, mais en mode en ligne, vous l'avez, ou c'est pas mis juste entrer, voilà. Voilà, je suis déjà à 1 million. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on peut faire? Évite le spawner, par exemple. Banshee, tu vois. Tu fais spawn la Banshee et tu mets en... Tu peux le maxer à fond. Tu vas là, tu fais retour, tu fais véhicule option. Et véhicule max car, et là voilà, bah, bah, putain de beau véhicule. Après le boost, il y a le arm boost, puis vous activez, et là quand vous faites E, voilà. Ouais, pour les niveaux, juste putain, c'est, je crois que c'est recovery option. Et voilà, par exemple, vous mettez level 500, 250, et vous changez de session, et c'est tout, c'est vraiment très simple. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si ce petit menu vous aura plu, bon après je l'avais déjà présenté, mais il y en avait, ça marchait pas, Raptor. Donc si Raptor ça marchait pas, et c'est celui-là, non, ça marche pas. Et voilà les potes, j'espère juste que ça vous plaira. C'était Scola, moi je vous retrouve pour un prochain menu ou une prochaine vidéo sur Fortnite. C'était Scola. Allez, ciao.